Bonjour à vous, aujourd'hui on est parti sur le 8e épisode de cette saison du Let's Play de Scrap Mécanique. Dans l'épisode précédent, on avait réussi à faire un robot qui arrivait à avancer tout seul et à activer les jetpacks quand il en avait besoin. Donc regardons, hop, il fonctionne du tonnerre, il arrive à atterrir et il continue à avancer. Donc là, par rapport à ça, il n'y a pas de problème et j'avais dit qu'on allait essayer de le rendre un petit peu plus manuel, donc qu'on puisse le contrôler nous-mêmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà installer un siège sur le toit pour qu'on puisse déjà voir quelle est l'impression que le robot nous donne quand on est sur son dos. Alors, hop, et puis après on va essayer déjà de remplacer un petit peu le mécanisme qui le fait avancer pour qu'il puisse être contrôlé de façon plus facile. Ok, alors là je dois être bon, ouais, on peut grimper et on va sortir un fauteuil. Alors qu'est-ce que l'on... Alors on a les toilettes, mais j'aimerais quelque chose que je... Ouais, on va mettre plutôt le siège de véhicule parce qu'éventuellement je vais pouvoir tourner le robot, hein. Donc bon, là c'est juste temporaire, mais on va quand même y aller. Alors on va le mettre devant, on mettra autre chose plus tard. Ok, et du coup ben ces boutons là on va les relier là-haut tant qu'à faire, même si c'est temporaire, comme ça on va pouvoir l'activer de là. Alors est-ce qu'il est sur... Voilà, je vais dézoomer. Non, ok, il est pas sur le lift. Alors 1 2. Alors, on va voir ce que ça va donner déjà. Ouh, ok, j'étais peut-être un petit peu prêt pour le départ, donc on va reculer juste un petit peu. On va se mettre là. Ok, on remonte. Alors j'ai peur que ça le déséquilibre également. Ça va se pencher au vu de là où on est positionné. Oui, ok, alors là... Alors à savoir qu'il y a parfois des moments où la physique devient vraiment bizarre. Une fois j'ai posé un bloc à un endroit du robot qui le rendait complètement dingue, alors qu'il n'y avait aucune raison. Ok, donc on revient et on regarde un petit peu, pourtant tous les rouages sont connectés, bon, on va le retirer. Wow, wow. Ok, je me suis mis devant là, vous voyez, ce qui active les réacteurs derrière. Ok, du coup est-ce que j'ai débranché par erreur quelque chose? Non, alors maintenant ce que je voudrais faire avant de me lancer dans des choses plus détaillées, c'est que j'aimerais voir si je peux activer, vous voyez, les... pattes avec les moteurs. L'avantage, c'est que ça me permettrait de ensuite de contrôler tout ça avec un fauteuil de conduite, hein. Et ça me permettrait de faire aller le robot plus rapidement. Alors, on va désactiver lui. On va désactiver lui. Ok. Alors, pendant que je fais ça, je vais le mettre là pour pas qu'il s'envole. Et on va faire la même chose avec celui-ci. Tu retires lui et tu retires celui-là. Déjà ça, du coup, on te retire pour pas que tu prennes la place, hop. Bon. Voilà. Ah oui, bah je suis obligé de le ressortir là, du coup. Et donc pour ça, on va devoir sortir des moteurs. Alors, moteur électrique, je me dis, tant qu'à faire. On va en poser deux, on va en mettre un devant et un derrière pour pas trop péter la distribution du poids. Mais du coup, ça va rajouter, il va falloir peut-être augmenter la puissance des réacteurs. Alors, du coup, on va avoir besoin... Comment on va s'y prendre? Toi, tu vas aller là. Toi... Alors, le souci, c'est qu'il me faut deux moteurs parce qu'il faut que je puisse toujours activer les jambes séparément. Si je les active en même temps, si je connecte les deux jambes au même moteur, elles vont tourner, vous savez, en même temps. Et donc, le robot va monter et descendre, il ne va pas avancer. Donc, je vais faire le côté là-bas et... Non. J'espère que j'irai désactiver. Non, c'est bon, j'irai désactiver, ok. C'est délicat parce que parfois on clique sur des choses mais on se rend compte que ça clique à côté. Donc là, le moteur là va activer les deux pieds ici. Regardons. Donc toi, je veux que tu avances. Toi, tu vas reculer. Toi, tu vas avancer. Et toi, tu vas reculer. Maintenant, on va augmenter la puissance des moteurs. Yep. Alors, je sais pas combien on va les mettre. À 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc vous, on va vous activer... séparément, je veux pas qu'il démarre. Donc théoriquement déjà ça devrait, ouais, ça se maintient bien droit. Et maintenant on va activer alors une jambe, ok, on va activer alors l'autre jambe. Ouh, ok.
C'est peut-être un petit peu lent. Donc, on va le positionner là. Je vais le baisser. Et on va voir si c'est plus stable en l'accélérant. Donc, lui, on va te mettre au 6. Et toi, au 6. Ok. Alors, on va faire remonter. Ouh, elle est trop rapide maintenant. Ok, alors je vais peut-être... C'est peut-être possible. Il faudrait juste peut-être que j'ai... Alors c'est trop rapide pour le jeu, pour la physique. Ok, donc on va devoir le mettre plus lent. On remonte. Hop, hop, hop. Donc un grade en dessous. Voilà. Donc entre le trop lent et le trop rapide. Là on est au cinquième. Et on retente. Je croise les doigts. Alors, ça m'a l'air bon, mais j'ai l'impression que le... Les jambes sont pas exactement... La jambe là se met un petit peu en diagonale. Regardons à nouveau, je vais le faire voyager sur une plus longue distance. D'ailleurs, regardez, c'est plus plat que sur le sol. Et en plus, ça déstabilise. Ok, donc je pense que ça va pas être possible d'utiliser des moteurs. À moins que je me serve de 4 moteurs, un moteur par rouage peut-être, on va tester. Et puis si ça ne fonctionne pas, on va devoir trouver une autre solution. Donc, 4 moteurs. Du coup, toi. Désactiver là, et toi tu vas prendre le contrôle. Toi. Je vais désactiver le dernier. Et toi, tu vas prendre contrôle. Donc les deux là vont être connectés sur le même pied. Le même bouton, pardon. Et même bouton. On met la puissance 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On regarde qu'on tourne, donc toi tu tournes vers là, donc toi tu vas dans, de l'autre côté, toi tu vas vers là, toi tu vas vers là, ok, on est bon. On va te positionner là, normalement, ouais, alors je prends le vaisseau quand même, comme ça au cas où on perd le contrôle. Okay. Alors vous voyez là, il a pas sauté assez haut, c'est parce que les réacteurs ne sont plus assez puissants maintenant pour contrer l'ajout du poids. Mais regardez, vous voyez, regardez, j'ai un petit problème avec les pieds. Du coup, les pieds, quand ils changent de position à cause d'un obstacle, ils se remettent pas au même endroit, vous voyez, dans le même angle, parce qu'ils sont pas contrôlés. Effectivement, donc ouais, je vais pas pouvoir utiliser ça, sinon ça, il va se déstabiliser tout le temps. Donc je vais être obligé de les reconnecter aux mêmes ordi qu'avant. Parce qu'en fait, vous voyez, ça le fait tourner, et s'il y a de la résistance, ça arrête de tourner, mais ça ne se remet pas dans la bonne position. Alors que si je le contrôle avec un ordinateur, le pied doit être en permanence dans le bon angle. Donc c'est ça qui fait que bah, j'ai pas le choix. Ok, alors on commence. Donc l'ordi, c'est celui-là. J'espère. Alors lui, en tout cas, il va là. Et il va là. Pourquoi est-ce que le bouton est décalé? C'est en dessous. Toi, tu vas là. Et tu vas là. Mais comment je les active, les ordi? Je vais peut-être devoir creuser là. Plus bas. J'avais pas prévu ça. Donc l'ordi là, il est de l'autre côté, zut. Il est derrière tout ça. Bon, je vais devoir faire avancer un peu. Alors j'ai dû creuser par en bas pour pouvoir arriver... Ouh, attention, j'ai dû creuser par en bas pour pouvoir arriver à atteindre les ordinateurs, parce qu'il y a plusieurs couches d'ordi. Il y a ceux qui contrôlent l'inclinaison grâce au capteur, qui est la couche d'au-dessus, et la couche d'en dessous est celle qui active les pieds. Alors là, du coup, on va tester. Ok, donc on va devoir inverser... C'est lequel qui est allumé? C'est celui-là où ça frise un petit peu. Alors... Ouais. Alors, attends qu'il se calme.
Ok. Et là, il va dans le sens inverse. Alors, on va peut-être hop, y aller comme ça. Et du coup, on va mettre... Je suis là, là. Alors, on retente. Donc là, il est beau. On va tester l'autre côté. L'autre côté est bon. Alors maintenant... On recommence. Ça, c'est vraiment toute une science. Hein. Alors, hop. Ok, donc là, il avance à nouveau comme il faut. Normalement, les capteurs sont toujours bons. On va le laisser... On va laisser, du coup il a les fesses coincées et je vais te remettre là, mais je vais peut-être augmenter un petit peu. Ouh, alors on est à la fin, mais on va quand même l'augmenter, on va peut-être devoir en rajouter éventuellement. Testons ce que ça donne quand on en rajoute. Ok, ouais, donc là ça refonctionne comme avant, avec la différence de poids. Donc là, au moins on est bon, et du coup là ça m'inquiète. Je vais pas pouvoir, bah je vais devoir utiliser ça pour voler, hein, c'est tout, pour avancer hein, avec le siège. Alors on va le ramener ici, hop, hop. Donc éventuellement je vais devoir retirer les jambes hein, et on va installer notre trône. Alors le trône, tu vas être là pour le moment et... Ah ouais, je peux pas le faire symétrique encore à cause de cette histoire. Alors bah du coup vu que... Bah on en aura besoin qu'il soit... On en aura besoin pour faire tourner les jambes. Bon, on va laisser comme ça. Ok, donc là on est bon. Et on va avoir besoin de relier... Alors plus de relier les jetpacks... à des capteurs, mais qu'on puisse les activer nous-mêmes. Du coup, on va avoir besoin de un bouton. Et on va poser là. Hop, donc c'est le bouton 3. Et donc toi, tu vas plus être relié. T'es relié à quoi? T'es relié à celui là-bas. Ok. T'es plus relié à lui. Et t'es plus relié à lui. Il faut vraiment pas se tromper parce qu'il y a tellement... de choses au bout d'un moment, c'est un petit peu chaud. Ok, et normalement, oui, on a ça. Ok. Wow, ok, on est trop près du bord, vous voyez. Quand on arrive là, le capteur s'active, et c'est pas bon. Ok, donc déjà, est-ce qu'on peut au moins servir de ça? On retire lui. Alors. Voilà, au moins ça fonctionne et quand on tombe, vous voyez, ça se remet. Donc ça, c'est cool. Alors normalement, on devrait atterrir, on devrait se remettre et je lui redis de remarcher. Oula, j'arrête, on relance. Et si je lui donnais un petit coup de main. Attention. Hop. Alors le problème, c'est que quand on est dans les airs, après le cap ne fonctionne plus. Alors ouais, il va falloir que j'arrête de le pencher. Là, je le penche trop. Alors, on te pose là. Et là, du coup, toi, tu te remets à 0 et à 0. Je pense que ça sera plus maniable. Ça l'évitera de se pencher en plein air. Parce que quand il se penche en plein air, moi, je peux pas le rétablir. À moins de refaire une autre couche de contrôle. Et là, il y en aurait trop, quoi. Alors, on retente. Donc là, ça nous fait pencher un petit peu, mais pas trop. Alors mal activer les jambes. Et maintenant je fais avancer. Ouais, il me faut une autre couche de contrôle. Hein. Il me faut une autre couche de contrôle pour pouvoir le repositionner en plein air. Alors, on va revenir à un endroit. Ah, tiens, on va se poser en bas. On va le mettre là. Pour la couche de contrôle, je vais devoir virer. Hop. On va virer ça. Ok, donc on va la faire rapidement. J'espère que j'ai assez de place pour la faire de la façon la plus compacte possible. On va tester. Voilà. «
Ah, je vais pas avoir assez de place, vous voyez? Ah zut, bon, c'est pas grave, on va devoir la faire un peu moins compacte. Là, j'aurais pu la faire vraiment symétrique, hein, mais il me faudrait augmenter la taille du robot. D'ailleurs, je pourrais les poser là-dessus. Là. Là. Bien. On fait un petit peu différemment. Ça sera moins beau, mais ça fonctionnera tout aussi bien. Donc ça, c'est le mécanisme qui permet de contrôler l'inclinaison du véhicule. Quelque chose à vraiment connaître. C'est vraiment super important. Ok. Donc toujours avoir un bloc sur le bout. Pour pouvoir appuyer, parce que la suspension ne permet pas d'appuyer vers la plaque qui est en bas. Donc il faut ça. Et donc là, il me faut 4 ordi. 1, 2, 3, 4. Comme ça, on garde la symétrie. Toi, tu actives lui. Toi, tu actives lui. Il faut pas que je me gourde non plus d'ordi parce qu'il y a plusieurs couches. Je crois que c'est bon. Ouais. 15 degrés. Et là, j'ai dû me gourer. Vous voyez? Et je me suis gouré. Et là, j'ai désactivé quelque chose en bas. Et je sais pas c'est quoi. Donc c'est à cause, vous voyez, ça c'est vraiment pas pratique. On va continuer et on va régler après le problème. Hop. Et toi, 15 degrés. Il faut s'assurer que ça tourne, donc toi tu appuies dans le bon sens, lui appuie vers là, il appuie vers là, il appuie vers là. Ok, c'est génial. Alors maintenant je vais devoir regarder c'est quoi le problème. Lui il servait à quoi en fait, je sais pas. Alors, on va devoir. Ok, alors si je me mets là, c'est ça qui est déconnecté. Ok, donc toi. Ok. Il est là, je mets 15 degrés et ça devrait maintenant fonctionner. Ok, seulement ça fonctionne du mauvais côté maintenant. Alors il va falloir revenir, hop, et plutôt que 15, tu vas être à moins 15 parce que le rouage appuie du mauvais côté, je crois. Ok, donc si on détecte là, ça devrait pencher dans l'autre sens. Ok. Et l'autre côté devrait le rétablir. Et on est bon à nouveau. Alors, ouais, il faut vraiment faire gaffe avec les rouages. Ok. Donc là, ça c'est bon. Et maintenant, alors je te reprends. Je te remets là. On le redescend. Et on va devoir maintenant appliquer les boutons. Bon. On refait ça. Ok. Et. Hop. Non, qu'est-ce que je fais? Alors ça c'est le 3. Finalement. Toi t'es sur le côté, donc le 4. Donc ils sont tous reliés à un différent, j'espère. Donc lui relié à lui, lui relié à lui, lui relié à lui, et lui est relié à lui. Alors testons. Ah, on est sur un lift. Ouais, alors on va le remonter. Ok. Pas assez haut. Et alors, on teste. Ça penche en avant. Ça penche en arrière. Ça penche que dalle. Ok, donc celui-là est défectueux. Ça fait bien 15 degrés.
Ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. D'accord, vous voyez. Alors, on va le repositionner. Là, j'espère que ça va être bon. Ah, c'est pas facile. Alors, hop. Je vais venir là. Je crois qu'on va être bon. On regrimpe, hop. Et on tente. Ok, donc là, on est bon. Finalement. Et on remet notre siège. Qui veut plus se poser là, apparemment. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Encore. Ah, voilà, ok. J'ai eu peur. Et du coup, alors, on a le bouton 1 qui va allumer les jetpacks. Le bouton 2 et 3 vont s'occuper. On va plutôt l'inverser. On va retirer lui. Donc le bouton 1 et 2 vont activer les jambes. Le bouton 3 va activer le jetpack. Alors ça, c'est quoi déjà? Le 1 penche en avant. Le 2 penche en arrière. Alors je vais faire ce que vous m'avez dit éventuellement. Je vais appliquer, vous voyez, par exemple le bouton 4, 5, 6 et 7, je vais les appliquer à des touches du clavier. Alors là, j'espère que j'ai rien déconnecté. On recommence. Comme ça, je pourrais par exemple utiliser ZQSD, ce qui serait top. Alors testons. Ok. L'autre jambe. Ok. On penche en avant, on penche en arrière. Donc ça, vous voyez, ça me permettrait, quand je suis dans les airs, de me restabiliser, parce que je ne peux pas le faire avec mes capteurs qui, eux, ne s'activent pas quand on n'est plus sur le sol. Alors, on va avancer. Et on va tester. Ok, alors, c'est celui-là pour se pencher, vous voyez. Donc celui-là pour se pencher. Ok, alors là, par contre, c'est de l'autre côté. Ok, et notre robot devrait continuer. Avancer un petit peu. Ouh. Ok, après tu n'avances pas bien. Je le fais sauter. Peut-être c'est la pente. Non, il avance quand même. Il avance juste lentement. Il me faudrait quand même pouvoir décider d'incliner ou pas les jetpacks. Parce que vous voyez là, si je décolle, je vais pas vraiment où je veux. Oups. Je vais pas vraiment où je veux. J'aimerais pouvoir le pencher en avant pour le faire avancer. Vous voyez là, il y va. Ok, donc maintenant ce qu'il faudrait faire, ça serait complètement démonter les jambes et de pouvoir faire un système qui pourrait nous faire tourner. Donc là, il faudrait que j'y réfléchisse, parce qu'il faut pas que ça interfère avec le mécanisme actuel, et peut-être même améliorer ce mécanisme pour pouvoir avancer plus rapidement, par exemple en allongeant les appareils qui tournent, mais bon, ça pourrait impacter par contre la coque du vaisseau. Donc, ouais, donc là, il y a encore un petit peu de réflexion à faire, mais en tout cas on a bien quelque chose qui fonctionne. Alors hop, non, de l'autre côté, hop, là je rappuie sur 3. Notre robot continue. C'est cool, je suis content. Ça avance bien, parce que faire un bipède est vraiment vraiment dur. Alors c'est vraiment carrément moins bien qu'un véhicule avec des roues, hein, en tout cas pour ce jeu. C'est difficile de faire quelque chose d'aussi bien qui fonctionne avec des roues. Mais je suis quand même assez satisfait du résultat de, de mon boulot. Et donc voilà. Merci à vous en tout cas pour avoir regardé cet épisode. Là je vais commencer à réfléchir sur ce que je pourrais faire pour le faire pour qu'il se déplace mieux. Et pour qu'il soit plus contrôlable. Merci à vous et à bientôt.